Allez, c'est parti pour la préparation. On commence par le riz. On fait chauffer une casserole d'eau, un petit peu salée. On attend que ça boue. On verse le riz dans l'eau bouillante et on laisse cuire le temps indiqué sur le sachet. Jusque-là, rien de plus compliqué. Ensuite, on s'occupe du saumon. On l'enveloppe dans du papier aluminium, donc j'enferme, voilà, grossièrement le saumon. Je fais pareil pour le deuxième. Hop, je prends les deux coins et j'appuie dessus. Donc en fait, je les fais en papillote au four. Donc vous préchauffez le four à 200 degrés. Voilà, donc là c'est bien enfermé. Et maintenant, c'est prêt. Le four est prêt aussi. Je les enfourne à 200 degrés et je le mets 10 minutes. Donc il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de sel, pas de poivre, je le laisse nature. Après avoir lavé les oignons, on va les couper. Voilà, c'est fait en petits morceaux. Notre riz est cuit. Maintenant, on le prend, on verse de l'eau froide dessus pour vraiment bien le refroidir. On n'hésite pas, un bon petit moment sous l'eau froide. Et on bouge avec les mains le riz pour bien rafraîchir partout. Il faut vraiment qu'il soit frais, qu'il arrête de cuire au chaud. Voilà, on laisse égoutter. On prend le concombre, on l'épluche et on le coupe en petits morceaux. Voilà, après 10 minutes, notre saumon est cuit. Faites bouillir de l'eau salée dans une casserole. Quand l'eau est vraiment à ébullition, vous versez tous les petits pois surgelés à l'intérieur et vous laissez cuire, donc à feu moyen, moi je mets 12 au niveau température, et vous laissez cuire pendant 4 minutes. Après, à vous de goûter le petit pois et voir s'il est cuit ou non. Quand tout cela est terminé, au bout des 4 minutes, moi c'était parfait, je les passe sous l'eau froide pour arrêter la cuisson et qu'ils se refroidissent pour mettre dans la salade. Voilà, vous voyez, je rince tout à l'eau froide. Une fois que tout est prêt, vous prenez un saladier et vous versez tous les ingrédients à l'intérieur, comme ceci, et ensuite vous n'avez plus qu'à bien mélanger. Des petites mains baladeuses vont essayer d'attraper un petit peu de la nourriture, voilà. Donc maintenant, on va préparer la sauce qui va avec, qui est une sauce à base de miel, etc. Vous allez voir dans la suite de la vidéo. Donc maintenant, on passe à la réalisation de cette sauce qui est à base de miel, de jus de citron, d'huile, comme vous avez pu voir précédemment dans les images pour les ingrédients. Il suffit de mélanger le tout dans un petit bol. Donc vous allez voir que le jus de citron, on ne va pas le jeter. Moi, j'ai utilisé, donc j'ai dû répéter l'opération au moins 5 fois pour utiliser tout le jus de citron. Comme ça, j'avais une bonne quantité de sauce qui était en conséquence avec cet énorme plat de riz qui était à peu près, on a dû en manger voilà, pour 10 personnes facile. Donc j'espère que cette recette simple et qui change vraiment pour cet été, qui est rafraîchissante et très très bonne, qui a ravi vraiment toute la famille le midi. J'espère que cette recette vous aura plu, qu'elle vous a donné une idée assez originale et revisitée d'une salade d'été. Sinon, eh bien, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. J'étais très ravie de tourner cette vidéo pour vous. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Si cette recette vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus en l'air. Sur ce, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!